Bienvenue à tous dans ce journal du soir sur Gabon News. Du social pour l'ouverture de cette édition avec la précarité des conditions de vie des populations de l'arrière-pays qui est toujours d'actualité au Gabon. Dans le département d'Aboumi, une commune du Haut-Ogoué, par exemple, les populations restent confrontées au manque d'eau potable, d'électricité, de route et du personnel de santé. Reportage de Linda Nyumba, Georges Mixantontoum, RFI Touga. C'est au bout de cette piste, enfouie dans les hautes herbes, que se trouve la petite source de vie des populations d'Aboumi, une source d'eau non potable où se ravitaillent la plupart de ceux qui ne peuvent parcourir plus de 2 km pour une pompe publique. Les conditions de vie sont très, très difficiles. Pas d'eau, pas d'électricité. La pauvre année, en plus, l'eau dans les conditions très, très difficiles. C'est le quotidien de tous les jours ici. Imaginez un fonctionnaire qui sort d'une grande école, qui arrive ici, il fait comment ? Il faut se connecter. Pas d'électricité. Tu fais comme pour suivre les informations. La route, elle est mauvaise. C'est un peu le quotidien de tous les jours ici. Une eau qui a vu d'œil peut causer des maladies chez les consommateurs et même créer des situations plus graves avec l'absence du personnel de santé dans la localité. On a un centre médical qui est dirigé par un technicien supérieur de santé, un anesthésiste. Mais aujourd'hui, on a la chance qu'on a pu nous envoyer un médecin généraliste. Pour l'instant, le médecin il est arrivé il y a à peine 2 jours. Et le test n'est pas là, il est là à la Franzine, donc on attend de voir comment est-ce qu'il faut remanier la situation. Autant de situations que les autorités compétentes devaient vite régler, de peur que ne ressurgisse le phénomène d'abandon de poste dans les coins reculés du Gabon. Économie à présent avec la signature d'un protocole d'accord ce mardi 15 septembre entre l'autorité administrative de la zone économique de Nkok et la chambre de commerce de Libreville. Un protocole qui les engage à offrir aux investisseurs industriels de la zone de Nkok des services de conseil en matière de sous-traitance. Reportage de Justin Tegui. C'est pour répondre aux besoins des investisseurs dont les activités de construction d'usines ou de production nécessitent l'appui technique de sociétés spécialisées dans la zone économique de Nkok. Un protocole d'accord a été donc signé à cet effet entre l'autorité administrative et la Chambre de commerce de Libreville pour anticiper sur les besoins des opérateurs pour continuer d'offrir à travers son guichet unique un service de qualité à ces derniers. Les PME et PMI locales doivent être tirées vers le haut grâce à ces groupes qui s'installent. Alors il était totalement, pour nous c'était évident qu'il fallait nous tourner vers la Chambre de commerce qui a un large réseau de contacts à travers ses membres et à travers la mise en place de sa bourse de sous-traitance, d'accompagner ces opérateurs économiques qui viennent et qui nous posent la question tous les jours de savoir vers qui se retourner pour être accompagnés dans leurs projets, de sorte à ce qu'ils se concentrent sur leurs activités et que tout ce qui n'est pas directement de leur activité, qui peut être sous-traité, soit sous-traité sur le territoire national. Pour le président de la Chambre de commerce, c'est une réelle plateforme de dynamisation des relations d'affaires entre les majors qui s'y installent et les potentiels sous-traitants PME-PMI gabonaises. Donc à travers cet accord, nous allons pouvoir effectivement monter un partenariat pour faciliter les relations donc, entre les donneurs d'ordre. Donc ceux qui sont installés dans la zone économique spéciale, mais qui ont besoin de sous-traitants, qui ne connaissent sans doute pas. Donc nous, effectivement, dès l'instant où nous développons la sous-traitance au niveau de la Chambre de commerce, donc nous avons un tissu donc, d'opérateurs, de sous-traitants disponibles. Donc c'est les mettre en rapport donc, avec les donneurs d'ordre qu'il y a dans la zone économique. C'est donc là une opportunité de faire le bon choix dans les sociétés de sous-traitance gabonaises à travers la Chambre de commerce de Libreville. Une visite et des explications de la zone spéciale de Nkok a donc clôturé cette cérémonie. Dans le reste de l'actualité, lors de sa conférence de presse tenue le samedi dernier, Jean de Dieu Moukani Iwangou, président du Front uni de l'opposition gabonaise, avait dit non au gouvernement Onaondon. Il avait à cet effet fustigé le comportement du pouvoir. Suivez cet extrait de Marina Mendeman sous les images de Martial Tsonga. À la vérité, par cette attitude, le peuple veut que nous puissions préserver à notre pays la possibilité de lui offrir une chance de renouvellement du personnel politique. Que ceux qui gouvernent jusqu'au bout, qu'ils fassent la preuve de leur talent, si tant est qu'ils en ont, ou qu'ils étalent au grand jour les limites que depuis 50 ans nous observons. Mesdames, Messieurs, sur l'espace public, les hommes, autant que les idées circulent, cohabitent, se rencontrent et même se parlent. Devenu par la force des choses un interlocuteur consulté,
et tout naturellement courtisé, je viens, pour la deuxième fois de ma carrière politique, d'être invité à intégrer une équipe gouvernementale sans mon accord préalable. Dans le commerce politique, le recours à un gouvernement d'ouverture qui intègre diverses sensibilités politiques ne peut être envisagé que dans un contexte de crise. La caravane de sensibilisation sur la responsabilité citoyenne conduite par Vivien Peya, le délégué national de l'UJPDG, a marqué une escale dans le département de la Djoué où la commune d'Onga, située à la frontière Gabon-Congo, a reçu les jeunes pédégistes. Là aussi, le message a été écouté. Georges Mixantoutoum et Refu Touga. 85 km, c'est la distance qui sépare la ville d'Akeni et la commune d'Onga, dans la province du Haut-Ogoué. L'état de la route n'a pas découragé la petite caravane déterminée à rencontrer la population de cette région. Dans cette commune où tout manque, les populations ont tenu à dire leurs difficultés quotidiennes. Le développement d'un département passe d'abord par les voies de communication, l'électrification. La route à Akeni-Onga n'est pas praticable en toute saison. Vous voyez de vous-même que le grand Koubara s'est arrêté entre les villages Ossélé Aliga. Le PDG a fait confiance en des hommes et des femmes que nous avons investis pour être élus par vous. À partir du moment où les raisons pour lesquelles ils ont été élus, ils ne les satisfont pas, ils ne font pas le travail pour lequel ils ont été élus, à la prochaine élection, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour les sanctionner. Prévu pour 11h, c'est à 15h qu'est arrivée la caravane de l'UJPDG pour rencontrer les jeunes de Mwanda. Un retard qui n'a pas laissé la population mwandaise insensible. Malgré leur colère, les jeunes de Mwanda ont écouté le délégué national de l'UJPDG avec attention. La jeunesse de la Libombi-Léou n'est pas en reste parce que vous faites partie du Gabon. Et aujourd'hui, pour pouvoir participer à l'émergence de notre pays, il faut d'abord être un bon citoyen qui se respecte, qui respecte son entourage, qui respecte la société dans laquelle il évolue, qui respecte les autres, qui respecte ses institutions, qui respecte tout simplement son pays et sa patrie. Le bon citoyen, c'est celui qui s'incline devant le drapeau. La caravane de l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais s'est poursuivie dans d'autres départements du Haut-Ogoué. Et puis la caravane de l'UJPDG a poursuivi sa tournée le lundi 7 septembre en rencontrant les jeunes de Ngoni et ceux de Lekoni entre sensibilisation et doléance. Les échanges ont été intéressants. Georges Peksantoutoum et Refu Itoga étaient présents. Regardez. La petite ville paisible de Ngoni a reçu à son tour les jeunes de l'UJPDG dans la salle polyvalente Tsumu. Ici, l'appel à la responsabilité a une fois de plus été bien perçu. Nous sommes très heureux de recevoir le délégué national. D'ailleurs, c'est la première fois qu'il vient ici nous rendre visite, nous apporter un message d'espoir. Il nous a expliqué la politique du chef de l'État, ce que nous savions déjà au départ, mais il a beaucoup accentué, n'est-ce pas, la politique du président de la République. Il nous a appelé à la responsabilité, à la vigilance vis-à-vis des comportements désinvoltes. Et vraiment, ce message nous va tout droit au cœur. C'est un bon message. On a écouté ce qu'il a dit. Un grand parmi les plus petits, il a toujours les conseils à donner aux plus petits. Et puis c'est un bon message. On a compris. On est prêt à appliquer, c'est comme une leçon pour nous déjà. On est prêt à appliquer cette leçon. Le distingué camarade, le président Ali Bongo Ndimba, n'a pas repoussé les anciens. Et que les anciens aussi ne doivent pas être refoulés brusquement. Mais nous devons leur épauler et nous devons les suivre dignement. Nous qui sommes la jeunesse de demain, nous devrions être derrière nos anciens et les soutenir. Dans la ville de Lekoni, que la caravane a rejoint après l'étape de Ngouoni, les échanges entre l'UJPDG et les jeunes ont aussi été intéressants. Il nous a parlé souvent du banditisme, souvent des jeunes politiques qui viennent ici nous dire de nous parler de n'importe quoi, qu'il ne faut pas qu'on les écoute. On doit se mettre droit à regarder, droit à avoir de l'avant, comme le président, comme Yali nous dit toujours. On dit de faire le désordre, penser
à ce qui va nous arriver à l'avenir. Les problèmes des jeunes ont été enregistrés car l'avenir d'un pays se prépare avec sa jeunesse, estime Vivien Peya Makaga. Voilà, fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Retrouvez la suite de l'actualité sur www.gabonnews.com. Très belle soirée à toutes et à tous. Au revoir.